Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment cultiver et réussir le basilic en pot. Je fais cette vidéo pour faire un petit peu le point parce que le basilic ça a l'air assez facile mais au final ce n'est pas toujours évident de le faire durer en pot. Voilà, alors premier point, le basilic c'est une plante annuelle, donc c'est une plante qu'on ne va pas conserver d'une année sur l'autre. Du coup ce qu'il en résulte c'est que au balcon ou en rebord de fenêtre, à partir des premières gelées c'est terminé et si on cultive le basilic en intérieur, au bout d'un moment la plante va se laisser aller et dépérir et c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on a fait le point là-dessus, on va voir les erreurs à éviter, ensuite on va voir les astuces à connaître et pour terminer je vais donner quelques petits plus qui permettent d'optimiser la production du basilic. On commence par les erreurs à éviter si on veut un beau basilic en pot. Première erreur, c'est de le planter trop tôt dans la saison. Le basilic est un vrai frileux. Alors surtout, ne le mettez pas en extérieur tant que vous n'êtes pas sûr que les gelées ne sont pas terminées et tant qu'il ne fait pas des températures assez agréables avec un ensoleillement régulier si possible. Deuxième erreur, c'est quand on met le basilic en plein vent. C'est une plante frileuse et c'est aussi une plante sensible au vent. Donc placez votre basilic si possible dans un endroit abrité sur votre balcon, c'est-à-dire pas sur la rambarde, plutôt au sol. Si vous avez un rebord de fenêtre et que vraiment vous ne pouvez pas mettre votre basilic ailleurs, vous pouvez l'abriter derrière une plante. Par exemple, vous allez le planter dans une jardinière avec des cheveux d'ange qui vont le protéger du vent. Troisième erreur, et on la commet assez facilement, c'est d'arroser le basilic le soir. C'est facile, on rentre du boulot, on arrose son basilic. Seulement, le basilic est une plante qui n'aime pas du tout avoir les pieds dans l'eau lorsque la nuit tombe. Donc prenez plutôt l'habitude d'arroser votre basilic le matin, il s'en portera beaucoup mieux. Quatrième erreur, elle consiste à planter le basilic dans une jardinière avec d'autres aromatiques. Ça ne fonctionne pas très bien parce qu'on va le voir plus loin. Il faut un substrat spécifique pour que le basilic en pot pousse correctement. Donc on le plante plutôt tout seul dans son pot ou avec d'autres basiliques ou éventuellement avec un pied de tomate. Cinquième erreur qui porte vraiment préjudice au basilic, c'est de le récolter trop tôt. Donc on ne se précipite surtout pas. On attend un mois après la plantation, après le rempotage, pour commencer à le récolter. Sinon, on ne laisse pas le temps à la plante de s'installer, elle s'étiole et puis on ne la garde pas longtemps, elle ne produit pas d'autres tiges, d'autres feuilles. Donc patience après le rempotage, laissez le temps à votre plante de s'installer. Et maintenant, on passe aux astuces à connaître pour avoir de beaux plants de basilic. Première astuce, on va soigner l'exposition. Le basilic aime le soleil, le soleil, le soleil. Donc, plein sud, si possible, c'est la meilleure exposition pour lui. Attention toutefois, si vous le cultivez sur un balcon orienté plein sud, qui est bien bétonné, quand ça cogne tout l'après-midi, il peut faire très très chaud. Il ne faut pas non plus que le basilic se dessèche. Deuxième astuce, pour récolter, on va prélever les extrémités de la plante. Ça va pousser le pied de basilic à s'étoffer, à se ramifier, et donc à buissonner, à être plus touffu, et donc à vous produire beaucoup plus de feuilles. Donc ça, on le fait pour récolter quand on a besoin de basilic dans sa cuisine et aussi juste après le rempotage, on va pincer les extrémités des tiges, ce qui va nous permettre de pousser la plante à se ramifier d'emblée. Et n'oubliez pas, on attend ensuite un mois après le rempotage pour commencer la récolte. Troisième astuce pour avoir un beau basilic, on va soigner le rempotage. Le basilic a besoin d'un substrat un petit peu particulier. Il doit être à la fois assez nourrissant, mais rester léger et drainant, et surtout ne pas se tasser pendant les arrosages. C'est la raison pour laquelle je déconseille de le rempoter avec d'autres aromatiques. En général, ça ne marche pas sur le long terme. Le basilic dépérit dans ces conditions-là. Du coup, quel est le bon substrat pour le basilic? Moi, je vous conseille de mélanger 3 quarts de terreau de plantation avec 1 quart de perlite. La perlite permet vraiment d'alléger le substrat, de le rendre plus drainant, et surtout d'éviter qu'il ne se tasse au fil des arrosages. Si vous voulez, vous pouvez la remplacer par du sable ou éventuellement de la pouzzolane. Toujours dans les astuces de rempotage, je vous conseille d'utiliser un pot de 15 cm de profondeur au minimum et environ 15 cm de diamètre. Alors bien sûr, vous pouvez aussi rempoter plusieurs basiliques de variétés différentes dans un même pot. Veillez seulement à ce qu'ils aient environ 15 cm d'aisance chacun les uns entre les autres. Et surtout avant de rempoter, n'oubliez pas de bien humidifier la motte. Ça c'est valable pour toutes les plantes, mais pour le basilic c'est d'autant plus important pour faciliter sa reprise. Dernière astuce de rempotage, et oui, il y en a encore une, évitez les pots en terre cuite. Pourquoi? Tout simplement, la terre se dessèche beaucoup plus vite dans ses pots et si le basilic aime le soleil, il n'aime pas par contre que son substrat soit desséché, surtout en pot puisqu'il ne peut pas aller chercher d'humidité plus loin en profondeur. Pour terminer, je vais vous donner les deux petits plus qui permettent d'optimiser encore la culture du basilic en pot. Premier petit plus, n'hésitez pas à faire un paillage sur le dessus du substrat du basilic. Ça permet d'éviter que le substrat ne se dessèche trop vite et on l'a vu plus tôt, le basilic n'aime pas du tout avoir les pieds trop au sec. Deuxième petit plus, sur le basilic, ce qui nous intéresse, ce sont les feuilles, pas les fleurs. Donc dès que les premiers boutons floraux apparaissent, n'hésitez pas à les pincer pour éviter la production de fleurs. Ça permettra au basilic de se concentrer plutôt sur les feuilles. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.